Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sarah Frézou. Vous devez certainement tous la connaître, Sarah est une influenceuse et c'est aussi une candidate de télé-réalité qui s'est fait connaître grâce à son physique hors norme. Comme vous le savez, depuis quelques jours de nombreuses rumeurs circulent sur les réseaux sociaux qui disent que Sarah Frézou s'est mise en couple avec Malaga. Dans cette vidéo, la fraise est très heureuse et elle vit sa meilleure vie avec Malaga. En effet, même si Sarah n'a toujours pas officialisé sa relation avec Malaga, de nombreux blogueurs affirment qu'elle va bientôt se marier avec lui. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les péripéties de Sarah et de Malaga. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Est-ce que tu penses que tu as le droit de me parler de la salle? Oui, j'aimerais te parler de la salle parce que je fais ce que je sais. Vous voulez que je vous explique un truc? Malaga, il m'a tellement saoulé. Pour perdre du poids, d'accord. Il attend que je vais dormir le soir. Il explose toute la cuisine. Mais vraiment, 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 vraiment. Et des fois, je me dis, mais il a fait quelle transition? Parce qu'il faut savoir ce qu'il mange. Parce que c'est cramé. Il a mangé du poulet avec du pain au raisin. La transition, elle est à quel moment? Est-ce qu'il a mis le poulet dans le pain au raisin? Est-ce qu'il a mangé le poulet avant? Ou est-ce qu'il a mangé le pain? Je sais pas. Franchement, je cherche pas à comprendre. Et là, ce matin, culotté, il vient voir. Moi, je suis partie faire mon sport hier. Je fais mes 50 minutes. Il vient culotté, il me dit, on va au sport aujourd'hui. Tu ne me parles plus de régime et de sport, toi, t'as compris? On se parlera à la salle. Non, non. Tu racontes? Le pain au raisin, c'était simplement le dessert du sandwich au poulet. Et entre-temps, il y a quoi qu'on ne sait pas que tu as grignoté dans le frigo et que tu as refermé et que tu as remis? Des surimi, des Be Ready, des barres protéinées. Donc c'est un délice. Ça. Surtout entre 4 et 6 heures du matin, ceux-là, c'est les meilleurs. Mais vous vous rendez compte? Il a mélangé du poisson, du poulet, du pain au raisin, des Be Ready. Non mais frère. Et après, il me parle de régime. Allez, va là-bas, va là-bas. J'avais un grand, grand besoin de me détendre. Donc là, c'est un petit massage time, histoire de bien... détendre, j'en ai besoin. Voilà, je vais rentrer, je vais me faire un petit soin du visage. Je vais prendre une barre protéinée. Ensuite, go aller manger avec des amis que j'ai pas vus depuis très longtemps et je suis très contente de les voir, vraiment. Vraiment, ils m'avaient manqué, genre papa et maman de Dubaï. Direction le sport. Les amis, il faut savoir que faut pas lâcher le sport. Hein. Parce que je sais que j'ai beaucoup de messages. Comment tu fais pour maigrir? Comment tu fais pour avoir la motivation? Si vous vous motivez pas tout seul, je vous jure que y a rien qui... Enfin, rien ni personne pourra faire à votre place. Donc vraiment, motivez-vous un minimum, même si vous devez sortir ou quoi que ce soit, de faire 30 minutes de tapis par jour. Et vous allez voir, vraiment, vous allez prendre un rythme. Même vous, vous allez en avoir besoin. Même pour vos poumons, ça vous permet de vous décrasser et tout. Donc vraiment, les amis, c'est hyper important. Moi, personnellement, j'y ai pris goût. Vraiment. Alors qu'avant, vous savez tous très bien que, genre, le sport... No way. Vraiment, bah... Oh, je me suis fait masser hier. Le mec, il m'a tordu. Je crois qu'il m'a bloqué. Je vais vous mettre la vidéo, vous allez rigoler.
sport terminé. Je suis morte. Allez. Allez, on remonte. Ah putain, je vais mourir. Oh mon Dieu. Ah, je suis morte. Sport finish. Là, je vais aller me doucher. Je vais aller chez le coiffeur. Et voilà quoi. Qu'est-ce que ça fait du bien, je vous jure. Qu'est-ce que j'aime trop quand ça ressort là. Et ça sort plus qu'avant. J'ai bien perdu, je suis partie à Paris, vraiment. J'ai dû prendre 6 kilos à Paris. Ici, j'ai une trop bonne hygiène de vie. Je sais pas vous, mais j'adore Paris. C'est, ça restera toujours mon pays, la France. Parce que j'ai grandi là-bas. Mais j'aime trop Dubaï. Parce que vous avez une vie saine. Après, ouais, tout dépend de vos fréquentations et tout dépend de ce que vous avez envie de faire de votre vie. Mais moi, personnellement, quand je vis ici, je vous jure, j'ai un repos dans ma tête qui est incroyable. Ça n'a rien à voir. Incroyablement beau. Besoin de personne, les amis. Il est temps de se faire des kiffs célibataires. Ouais, ils vont éviter de mettre des cœurs. J'aime trop. Donc, j'ai voulu partir tester cet hôtel parce qu'il y a des animaux en face. C'est en plein désert. C'est waouh! Incroyable! Incroyable! Je suis trop contente. Et la chambre, elle est ouf. La chambre, elle est ouf. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Petit sac à main. Je fais la visite des lieux. Comment c'est trop beau. J'aime trop. J'aime vraiment trop. Pff, ma petite valise. Pff, c'est incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Incroyable. En plein milieu du désert. Je vous donnerai l'adresse. Mais vraiment. Pff, que vous dire de plus? Le kiff total. C'est parti, mettre un maillot de bain. Je vous jure, des fois de se retrouver seule, ça vous fait du bien et j'en avais clairement besoin. Et il y a plein de choses que j'ai pas faites. Et ça, celui-là, cet hôtel, on me l'a recommandé parce qu'il y a des animaux. Moi, j'adore les animaux. Bon, Malaga, il est occupé avec quelqu'un en ce moment qui se barre demain. Donc voilà, lui faisait sa petite vie. Moi, j'y habite à Dubaï. Et je me suis dit, bah pourquoi pas tester cet hôtel. Et voilà. Coup de crise, je me suis cassée et je voulais vous montrer aussi qu'on peut se faire des kiffs en fait sans personne, besoin de personne en vrai, vraiment, pour le coup les meufs, je vous le dis, faut que ce soit un supplément dans votre vie, que ce soit pas genre obligatoire. Donc go mettre un maillot de bain et vous inquiétez pas, je vous après tout, les restos et tout ici. Parce qu'en fait, je parlais avec des amis à moi qui me disent moi je me barre tout seul et je m'en bats les couilles. Et j'ai dit bon bah je vais tester. On va tester, de toute façon, je reste que 2 jours. Je reste pas plus, pas trop. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.